si tu as pu partir, aller étudier dans un pays étranger, c'est grâce à cette entreprise de confiserie que tu as pu le faire. Papa s'est sacrifié, tu m'entends? T'as oublié ce qu'il nous a enseigné? Je te prie de m'excuser, papa. Excuse-moi. J'ai commis une erreur. Je ne l'ai pas dissuadé. Je n'aurais pas dû le soutenir. Je te demande pardon, papa. De faire ça. C'était une énorme bêtise. Tu vas le regretter. Le monde est rempli d'égoïstes. Seules les relations avec ses parents ne sont pas fondées sur l'égoïsme. Harim Gay, mind de Kermasar, mangi souhaite mes voeux à tous mes amis, à ma maman, à mes frères. छाया है पिता के प्यार।
Tu cherches, Chanda? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu te rends compte que quelqu'un pourrait te voir? Ah, mais ça, je m'en fiche royalement. On a quelque chose à fêter. Je viens de découvrir une énorme faille dans la maison. La dispute d'Arjun avec son père. Ah. C'est une grande nouvelle, ma chérie. En gros, c'est le début de la fin pour la famille de ton frère. Allez, souris un peu. On va boire un coup pour fêter ça. J'arrive pas à ouvrir. Ah, tu es fou. Imagine qu'on se fasse coincer. Parce qu'on va se retrouver à la rue si on nous surprend en train de boire de l'alcool en cachette. Regarde, la porte est ouverte et tu as la bouteille. Je l'ouvre. Tu n'as qu'à fermer la porte. Oh. J'y vais. Ah, une occasion pareille, on va pas la laisser passer comme ça. J'ai eu peur. Pardon, ma chère, je ne fais que passer. Comment vas-tu? Chandar, comment vas-tu? Bien, merci. Quand je suis passé devant votre porte, j'ai cru sentir comme un parfum familier. Et c'est pour cela que je suis là. Je suis entré pour vérifier par moi-même. Bouge pas, t'es assis sur quelque chose. C'est pas à moi. Eh ben, dis donc, mon vieux. Je te dis, cette bouteille n'est pas au magasin. Quelqu'un l'a mise dans mon sac. Il y a eu un méli-mélo et j'ai oublié de la retirer. Tu me connais, tu sais bien que je ne boirai jamais un verre de ma vie. Tu me prends pour un crétin. Ce n'est pas une incartade. Tu devrais relire les Écritures Saintes. Tu sais, au paradis aussi, ils boivent du vin. Ouais, je sais. Non. Je ne sais pas comment ça se passe au paradis, mais dans cette maison, l'alcool, quel qu'il soit, est interdit. J'allais justement... Exact. Tu allais la jeter, hein? Bien, monsieur, je vais me faire un plaisir de la mettre à la poubelle. C'est sympa. Mais je vais voir Satya pour lui demander son roupie. Donc? Bien, je voudrais pas qu'il parte au bureau. Je vais aller le voir d'abord, ça sera mieux. Et après, j'irai aux ordures. Non, attends. Mais c'est pas génial. Parce que s'il me voit avec une bouteille d'alcool, il va me poser des questions. Je lui dirai la vérité. Je ne veux pas porter le chapeau à ta place. Je ne peux pas lui mentir. Non, attends une seconde. J'ai une meilleure idée. Je vais sauver ta peau. Je vais la boire en vitesse. Voilà, je vais la boire vite fait, bien fait. Comme ça, le problème sera réglé. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je prends les choses en main. C'est gentil, vas-y. Mais si je bois ça, je vais sentir l'alcool. Je vais avoir une mauvaise haleine et il verra que je suis saoul. Et comme je serai saoul, peut-être que je te balancerai quand même. C'est quoi ça? De l'argent, c'est pour toi. Un gros billet de 100. Et avec ça, tu pourras aller acheter ton ticket de loterie. Ça me fait plaisir. Tu me donnes l'argent du loto. Comme c'est gentil et généreux de ta part, Chandar. Et je n'ai plus besoin d'aller voir Satya. Il a assez de problèmes comme ça. Et je préfère venir te voir quand j'ai besoin d'un peu d'argent, tu comprends? Eh, hey, ne rêve pas! Hein? Je ne vais pas t'en donner tous les jours, espèce de pique-assiette, t'es compris? Attends, qu'est-ce que tu fais? Ne prends pas mal, je ne voulais pas te vexer, moi. Tiens, ce que je voulais te dire, c'est que... Tu vois ce que je veux dire? Enfin, quand tu auras gagné au loto, quand tu seras millionnaire, tu prêteras de l'argent à tout le monde et personne ne te traitera plus de pique-assiette, tu verras. Hein?
Écoute, rends-moi service. Je te fais une confiance totale. Tu jettes la bouteille en partant, et après seulement... T'inquiète, t'as rien à craindre, mon frère. Tu vis ta vie, d'accord ? Cache-la, cache-la. Dépêche-toi. Ça va aller. Allez, va. À tout à l'heure, Manorama. Va. À tout à l'heure, à tout à l'heure. À tout à l'heure, à tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui t'a pris de lui donner tout cet argent ? Il ne va pas s'en tirer comme ça, crois-moi. Bon sang, il m'a fauché ma liqueur et 200 roupies en plus. Mais tu vas lui faire payer. Je vais pas lui faire de cadeau à celui-là. Non. Moi, je veux suivre ma propre voie. Un fils ne doit pas obligatoirement suivre les traces de son père. Cacher, sinon tu vas faire de l'hypertension. Nos enfants sont adultes maintenant. Ils se débrouillent tout seuls. Et désormais, ils n'ont plus besoin de nous. On doit les laisser mener leur vie comme ils l'entendent. Qu'est-ce que tu dis là ? Arjun est notre fils. On ne peut pas le laisser faire n'importe quoi. C'est notre rôle de parent. Mais tel que je connais mon fils, il ne doit pas se sentir très bien. Oui, à mon avis, il doit bien regretter ses paroles malheureuses. C'est vrai, elle a raison, papa. Arjun a bon cœur. Il vous respecte et... il vous aime. Il demande à réaliser son rêve. À s'épanouir. Toi aussi, tu approuves son choix. Alors que j'ai l'impression que ma vie entière est... est en train de s'écrouler devant mes yeux. C'est fini maintenant. J'étais fier pourtant de mon honnêteté, de mon parcours, de ce que j'ai accompli. J'étais vraiment fier. J'ai toujours travaillé avec tant d'acharnement et durant toute ma vie. Mais voilà. Mon fils me brise le cœur. Mon monde s'écroule. Tout entier. Non, papa. Ne sois pas offensé par ses paroles. Il était en colère. Il ne pensait pas un seul mot de ce qu'il a dit. Pardonne-lui, papa. Je sais que... il n'aurait pas dû te parler comme ça. Il te respecte pourtant, papa. Il a été emporté par sa colère. Il est si spontané. Papa, même s'il part à l'étranger, il n'oubliera jamais les valeurs que tu nous as enseignées. Les valeurs ? J'ai envoyé Arjun faire des études à l'étranger pour qu'en revenant, il soit le meilleur, qu'il soit aussi fier de lui. Sauf que là-bas, en réalité, il a vraiment changé. Non, papa. Ne dis pas ça. Peut-être qu'il a des aspirations totalement différentes des nôtres. Mais j'ai confiance en lui. Il n'a oublié ni ses valeurs, ni ses principes. Ces mêmes valeurs et principes que toi, tu lui as inculqués.
Oui, papa. Tu sais bien qu'il va comprendre et... qu'il va venir te demander pardon. S'il te plaît, ne sois pas en colère après lui. Donne-lui encore une chance, papa, s'il te plaît. Tu peux lui pardonner, papa. Arjun est un bon fils, papa. Je t'en prie, pardonne-lui, papa. Il faut que tu lui pardonnes. Je te jure, j'ai rien fait. Tu as raison de te défouler comme ça. Ça te fait du bien. T'as peut-être pas choisi le bon moment, mais t'as pas tort. Pas tort du tout. Toute cette histoire est bien claire. Allez, arrête. Eux non. Ils ne te comprennent pas. Mais moi, franchement... Hein? Je suis ton oncle, je n'ai pas eu la chance de voyager comme toi, j'ai passé toute ma vie ici, à Vrindavan, et à mon âge, je peux plus partir aux États-Unis, mais toi, c'est différent. Si tu veux toucher les étoiles, je vois pas pourquoi on t'en empêcherait. Si on a bien le droit, c'est ton avenir. Moi, je suis d'accord avec toi, tu n'as rien à te reprocher. Si, mon oncle, il est le responsable. Il a brisé le cœur de notre père. Tu l'as blessé. Amène-toi, viens voir le résultat. S'il est dans cet état, c'est de ta faute parce que c'est toi qui lui as fait du mal. Viens voir ce que t'as fait. Allez, viens. Ange, lâche ma main. Je viendrai pas. Tu es un pourri. Un pourri, c'est tout. Tu as peur que le chagrin de notre père puisse te faire changer d'avis. Tu veux faire ce que t'as décidé à n'importe quel prix. Je ne peux pas croire que tu sois aussi égoïste. Tu la fermes. Sinon, je vais te... Tu vas quoi? Tu vas me frapper? Alors, vas-y, cogne, allez! Ange, arrête, ça suffit! Viens avec moi, s'il te plaît! Ange, ça suffit! Non, tu viens! Arrête, lâche-moi! Ça va pas se passer comme ça! C'est quoi cette hystérie collective? Tout le monde me critique. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que t'as fait de mal? Qui te pose encore la question? Ange, laisse-nous tous les deux. Je voudrais lui parler en privé. Non, c'est pas juste. Ange, va-t'en s'il te plaît. Je ne veux plus te voir ici. Dis-le-moi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? D'accord, j'ai perdu mon sang-froid. C'était con, je sais. Mais est-ce que ça leur donne le droit de me critiquer, pour autant? Je voulais juste expliquer à papa ce que j'avais en tête. Il n'y a pas de mal à ça. Je ne vois pas pourquoi tout le monde pense que j'ai voulu le blesser. Mais toi, tu es mon frère. Tu sais que ce n'était pas intentionnel. Que je n'ai pas voulu leur faire de peine. Bien au contraire. Je te crois, Arjun.
Tu as eu des mots violents qui ont dépassé ta pensée. Et ça, tu n'étais pas obligé. Ça, c'était une erreur. Tu n'aurais pas dû. Écoute-moi. Souviens-toi bien d'une chose. Il n'y a aucune besogne en ce monde moins utile qu'une autre. C'est notre façon de penser qui détermine ce qu'on devient. Papa a toujours souhaité...